Si un petit sorcier touche à ma vie par erreur, prépare-lui quand il ne verra pas demain. Si un petit démon touche à ma vie par erreur, prépare-lui quand il ne verra pas demain. Je suis fille de lion, je crache du feu, je parle du... Maintenant, bonjour. Bonjour, moi Bédi. Aujourd'hui, nous parlons du son. D'accord. La qualité du son. Oui, oui. Mais est-ce que ça vous étonne? Cette qualité que vous commencez à avoir, le son qui monte à un niveau vraiment à la hauteur, à la dimension du Dieu du Papa Florian. Est-ce que ça vous étonne? Non, moi ça ne m'étonne pas, parce que par la grâce de Dieu, de Papa Florian, le père Adou Peggy m'a un jour, ça fait deux ans de cela, il m'a dit, Kenero, le son que tu entends, c'est pas ça. Et quand le son va s'améliorer là, on sera à deux pas de la mission. Et de ce deux jours-là, le studio parfait, le son est parfait. Et je me rappelle que papa m'a dit, Nero, le studio, le son du studio là, il faut que tu me reproduis ça dans la salle. Vrai, vrai là, il a dit, ah! Il dit, papa, j'ai compris. Mais au fond de moi, il dit, ah, il a fait comment? Il a fait comment? Parce qu'au studio, c'est le logiciel. Or, dans la salle là, c'est direct. Donc, comment faut faire? Et j'ai dit, Dieu ne pas fourrer. Ah, toi-même, il faut venir faire ton son. Hein, parce que je suis ici, là. Moi, je ne connais pas. C'est toi, tu me diriges. Voilà. Et c'est comme ça. C'est la semaine, là, même papa m'a dit, comment je vais faire, là? Et le samedi, la prière, j'ai dit, Dieu ne pas fourrer. C'est toi seul qui peux faire ton son. Voilà. Et je sais que tu vas le faire. Et c'est comme ça, le son. Moi-même, je suis étonné de ce que j'entendais, parce que je n'ai jamais entendu ça. Moi-même qui attends je suis devant l'appareil, je n'ai jamais entendu ça. Et pour dire, c'est les anges du Dieu de Papa Florian qui sont venus faire le son. Et il faut maîtriser, parce que aujourd'hui le son, la qualité du son qu'on a là, bientôt on va aller affronter le monde dehors. Et le père Adou Peggy m'a dit, Nero, le son que j'entends là, ce n'est pas pour la salle, c'est pour dehors. Or, pour aller au dehors, il faut maîtriser la salle d'abord. Parce que si tu ne maîtrises pas le son de la salle, tu ne peux pas aller dehors. Mais c'est le monde. Or, il faudrait que le son arrive. Ou, si c'est des milliers de personnes qui sont arrêtées, il faudrait que le son arrive à leur niveau. Mais si tu ne maîtrises pas dans la salle, tu ne peux pas faire le dehors. Tu ne peux pas affronter le monde. Tu peux pas. Et par la grâce du Dieu de Papa Florian, en tout cas, le son est amélioré. Que vous n'avez pas fourni d'efforts. Non. Pour que le son de la salle décolle. Tout à fait. Dieu a dit que quand la mission va s'approcher, tout à fait, il va faire descendre un son venant du ciel. C'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. C'est ça. Est-ce que vous avez fourni d'efforts pour que le son, vous voyez? Je n'ai pas fourni d'efforts. Parce que ce Dieu-là, il est dans sa parole. Je n'ai pas fourni d'efforts parce que quand l'homme de Dieu, parfois, te dit de faire, il ne faut pas douter, toi, il faut croire. C'est déjà fait. Mais une fois que tu doutes là, c'est ça, ça dure. C'est ça qui complique. Mais une fois papa dit, papa Florian dit, il faut faire. Toi, il faut faire aveuglement. Et excusez mon thème, bêtement même. Il faut t'oublier. Et les anges vont te conduire. Et c'est ce qu'est là. Sinon, c'est pas moi-même. Mon neuro là, je connais pas. Voilà. Puisque même la consomme est à l'anglais. Moi, je ne sais pas parler anglais. Mais voyez-vous le son qui est là aujourd'hui. C'est les anges du Dieu de papa Florian qui l'a fait. Pas moi. Donc, bientôt, on va vous voir en plein air. Tout à fait. Tout à dans les grands stades, parce que Dieu annonce du grand stade. Hein. Oui, il oui, faut oui. Une sonorisation vraiment tout à la dimension fait. De cette œuvre. Tout à fait. Tout donc, vous êtes capable de maîtriser encore. C'est Dieu de Pafouran qui le fait, c'est pas moi. C'est Dieu de Pafouran qui le fait. Et je sais que le Dieu de Pafouran va faire plus que ça. Oui. Voilà. Alors, je voulais encore ajouter pour dire ce samedi, il y a mon frère. Roméo qui m'a approché papa, qui a dit, ah papa, le son là. Parce que lui, il allait à un festival quelque part et il a entendu il écoutait le son dehors, quelque part, à la plage, quelque pour part. Pour lui, là-bas, c'était le meilleur. Voilà, pour lui, là-bas, c'était le meilleur. Et moi-même, j'ai vu sur les réseaux sociaux les appareils qui étaient alignés. Mais moi, ce jour, je lui ai dit, tu vois Roméo, tu vois ces appareils qui sont alignés là. Ils ont allié quatre ici, quatre de ce côté, les quatre. Les satellites qu'ils ont alliés, les quatre là. La valeur de la 4 là, fait pour nous la 1. Or nous on a beaucoup.
Donc ça peut pas être, ça peut pas être la même chose. Et puis, c'est pas la même qualité du son. Il m'a pas cru. Et c'est le samedi qu'il s'est approché à papa pour dire que vraiment, papa, le son là, il n'y a pas l'homme. Lui-même, ça l'a fatigué. Et il y a notre frère, et Noé aussi, qui m'a approché, il m'a demandé, c'est son de rituel, de récupération. Il m'a posé la question. J'ai dit oui, c'est son. Il dit, mais le son est pas. Que lui-même, quand il a la caméra, il ne danse pas. Mais ce samedi-là, il a dansé. Et en tout cas, le son là l'a traversé. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter. Donc c'est un son 10 sur 10. Oui, oui. Qui s'annonce costaud encore. Tout à fait, tout à fait. Que Dieu te fortifie. Amen.